Savez-vous qu'est-ce que l'autisme? Depuis quand existe l'autisme? La première personne qui a utilisé le mot autisme, c'est Eugène Bleuler. Comment reconnaître les signes de l'autisme? Vous allez maintenant voir les premières minutes de la séance où l'enfant découvre les jouets qu'on lui propose pour cette séance d'observation. Les comportements qui visent à décrire un diagnostic de TSA se manifestent de manière très variable d'une personne à l'autre. Il y a des aptitudes de la personne et il y a le jugement de la société. Pouvons-nous parfois confondre l'autisme avec les symptômes d'un autre trouble? Est-il possible d'avoir un autisme et d'autres difficultés associées? Il y a jusqu'à 40% des personnes avec un TSA qui présente aussi un diagnostic ou des diagnostics de troubles anxieux associés. Faut-il attendre avant de poser un diagnostic d'autisme? Comment soutenir une famille après avoir posé le diagnostic de l'autisme? C'est important qu'on puisse constituer une équipe qui englobe les professionnels et les parents. Nous avons créé ce MOOC car nous sommes convaincus qu'un bon diagnostic est indispensable pour la mise en place d'un traitement adéquat et pour améliorer la qualité de vie des personnes avec TSA. C'est volontairement que nous avons destiné ce cours à un large public de professionnels, ainsi qu'aux parents et proches aidants de la personne avec TSA. Après avoir suivi attentivement ce MOOC, vous serez en mesure de reconnaître les différents signes indicateurs d'un TSA chez les enfants, les adultes, mais également les bébés. Vous saurez comment se déroule un bilan diagnostique et quels sont les outils utilisés. Finalement, à la fin de ce MOOC, vous apprendrez les différentes étapes à suivre lorsque l'on annonce un diagnostic de TSA à une personne ou une famille.